Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura sur ma chaîne. Allô! Et on est super excités parce qu'on fait une vidéo bien nice qu'on avait hâte de filmer ensemble. Tu veux-tu en parler? En fait, on va laisser les gens devant nous décider de quoi on va manger. Ça s'est vu beaucoup sur les chaînes américaines, un peu au Québec maintenant, mais on voulait vraiment le faire à notre façon et une paire de coups, manger et filmer. Vous avez pas idée à quel point on va avoir de faim, puis j'ai tellement hâte de faire ça, je pense que ça va être bon. Ça va vraiment être bon, fait que si ça vous intéresse, continuez à écouter la vidéo. Fait que le premier truc qu'on va faire, c'est on s'est dit un petit concept plus déjeuner. Fait qu'on s'en va au Starbucks. Moi, j'ai pas pris mon café de la journée et il me faut mon café tous les matins. Je pense que vous le savez. J'espère vraiment que ça va être une bonne commande. Moi, je vais pas te décevoir, mais je suis tellement pas une fille de café que j'espère un peu un petit drink sucré, mais juste pour oh my God. Le fun tropical été. Bon, en tout cas, on a deux vibes différents. On espère que ça soit deux drinks. Si c'en est un puis qu'il faut qu'on se le partage, on sera clairement pas de la même opinion. Là. Ok, fait guys, checker notre setup. Comment c'est genre. J'ai même pas de mots pour décrire la situation. L'auto en avant de nous, mettons qu'on est capable de décrire, il a l'air d'avoir une personne. C'est une madame. Ah, c'est sûr qu'elle prend un café assez ordinaire. Ouais, elle a vraiment un look de... Mais quoi que, elle pourrait être dans le luxe parce qu'elle conduit quand même une Jaguar. Ouais, mais tu sais, c'est le genre de personne qui va prendre un petit macchiato latte. Ah ouais, ouais. Je suis stressée. Bonjour, bienvenue, Shabbat. Salut, je vais te prendre la commande de la personne devant nous, en fait, la même commande. La personne en avant de vous? Oui. Exactement la même? Oui, mais dis-moi pas sa commande, je veux juste le savoir rendu à la fenêtre? Oui. Y a pas de problème. Merci. Parce que la fille, elle savait c'était quoi le concept. Ouais. Parce que, tu sais... Elle a pas trouvé ça si bizarre. Ouais. Là, ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a pas dit le montant, ça m'a rien dit. Fait... Peut-être que ça va coûter 50$, on le sait pas, genre. J'ai vu sur le boulot, mais... Laura! Arrête de la regarder, la Jaguar! Ok, c'est à nous. C'est excitant comme commande. Ouais. Allô? Merci. 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 Yo, je te jure que c'est pas ce qu'elle a reçu. Elle a reçu un grand, ça comme ça, avec une paille, puis il y avait un biscuit qui venait avec. Je te le jure. Mais elle a fait deux commandes. Je te le jure! Ok, mais là, qu'est-ce qu'elle nous a servi, elle? Un caram macchiato. C'est le genre de personne qui va prendre un petit macchiato latte. Oh, ouais, ouais. Je suis outrée! On s'est fait crosser. Mais elle a peut-être fait deux commandes parce que moi, je l'ai vu prendre un verre tantôt. Ouais, mais c'était un grand. En tout cas, ça commence mal parce que tout ce qu'on voulait, on l'a pas eu. Mais un macchiato, en fait, c'est un café, mais moi, j'aime vraiment pas les cafés sucrés, là. Ouais. Genre, oh, je bois la crème fouettée. Oh my God! Ok. Oh, tabarnouche, le sirop, hein. Oh! C'est sucré, man! Nous qui disaient que c'était une fille de café, un sucre, non, man, finalement, c'est une basic, là. Une vraie de vraie basic du Starbucks. On est plein de jugement, ouais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je vais le boire, c'est un café, là. C'est sucré, c'est sûr, c'est full sucré. Ben, étant donné que j'aime pas le café, ce serait le genre de truc que je pourrais commander. Et puis moi, que je vais détester, ouais. Ok, c'est pas si pire. Non, c'est ça. C'est moins sucré que ce que je pensais. La crème fouettée joue pas beaucoup, mettons. Mais j'ai tellement faim, je peux-tu manger un peu de crème? Manger un peu de crème, à quel point on est triste. Ça pas interesting. Mettons qu'on cote les... Tu veux-tu qu'on fasse ça? Pourquoi? On cote la commande versus nos attentes, ce qu'on voulait. Mm. Mettons, toi, t'as dit tantôt que tu voulais un genre de pinkly drinkly. Honnêtement, plus je le bois, plus j'aime ça. Je trouve ça très très bon. Je pourrais le commander, ouais, ouais. Ah ouais? Je serais bien à l'aise avec ça. Moi, je pense que c'est peut-être la crème fouettée qui en a un peu trop, mais genre. Il n'y en a jamais trop. Le café en soi est bon. Ça goûte un petit peu, genre, vanillé, caramel, sucré. Ok, mets ta ceinture, on est reparti. Ouais! Deuxième arrêt, on est au Taco Bell et on est bien excités parce que. T'as-tu déjà mangé du Taco Bell dans ta vie? Jamais. Moi non plus. Fait que c'est comme, en plus de pas savoir ce qu'on va manger du tout, je connais pas le menu, pantoute. Exactement, puis un gros hype autour de ça, je suis sûre que c'est excellent. Je sais, c'est parti. On vient de se rendre compte qu'il y a pas de commande à l'auto au Taco Bell qu'on est venu. Puis là, à Montréal, il y a pas tant de Taco Bell. Le prochain, il est vraiment très loin, fait qu'on va vivre avec ça. On va vous amener dedans, of course. Et on va venir le manger dans l'auto comme une vraie Trisha Paytas de ce monde. Mmh. Ah, ça va être bon. On dirait que je suis comme stressée, ça a l'air gras. Moi, je trouve ça a l'air bon. Ouais. Est-ce que ce serait possible d'avoir la dernière commande qui a été passée au Taco Bell? Genre la même commande?
la dernière commande de ouais. Je regarde pas la facture, mais ça nous a coûté 8$. J'ai comme l'impression que c'est un trio, genre. Mais ça sonne le prix d'un trio, genre. Alright, on a notre Taco Bell. On sait pas du tout. Je pense que c'est lui qu'on est le plus clueless parce qu'on connaît rien, genre. Le gars, il était là, il nous posait des questions, on était genre. Pareil que ce que le gars a pris, là, genre, je sais même pas qu'est-ce que tu me poses comme question tellement je connais pas ça. Voilà. Il y a des frites, clairement. Ah, ici, il y a un taco dur. Ah, moi, j'en ai un mou, là. Ouh! Ah, mais ça a l'air bon! Pour vrai, oui. J'ai tellement faim! Oh my god, ça a l'air bon! C'est bon? Mais c'est quoi? Je vois pas la viande qu'il y a dedans. Mais c'est de la petite viande hachée, je pense. Ok, un petit bœuf. Ok. Puis y a-t-il d'autres choses? Oui, c'est tout. C'est quoi les frites? Sont normales? Ouais. Ah, ok. Ben, bon app. Bon app, bon app. Premier test de Taco Bell à vie. Ouais. Ah, je m'en échappe plein partout. C'est bon? Ouais. Mais ça goûte le Old El Paso, là. Tu sais, je vois pas vraiment tant le hype, dans le sens que... Ça goûte un taco que j'aurais pu me faire chez moi. Exact. Veux-tu goûter au dup? Ouais. Je pense que je suis une fille de mou, moi. Ah ouais? Ouais. Ah. Moi, j'aime plus ce dur. Ça me satisfait dans mon craving de bouffe. Non, mais. Mais ça, c'est des frites PFK, là. Ouais, mais. Je pense que le gars, il a commandé. Pourquoi pas? Il a commandé du PFK aussi, genre. Parce qu'il n'y a pas de frites au Taco Bell, là. Bon, ben, sans le vouloir, on est allé au PFK. Moi, je suis bien satisfaite de tout ça. Hein, moi, vu? Ça convient à ma faim. Puis, tu sais, avec le restaurant qu'on vient de faire, qu'on s'attendait à manger, puis que finalement, on a eu la commande de macchiato, c'est mort de fou. Si, je peux-tu faire un ASMR? Désolée pour tout ce que ça va être curry, mais c'est comme mon petit fantasme de faire ça. Bruit que t'as fait! Ok, attends, du croustillant. Oh, ça c'était bon ça. Ça te satisfait? Oh, oui. Hey Siri, can you play I Want It That Way by the Backstreet Boys? Ooh. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a On est enfin rendu au dessert et par le fait même le dernier resto de la vidéo. Mais quoi de mieux que du choco fave? Je suis down. Tellement down. Jinx! Ok, on y va. Tellement down de finir avec un dessert, là, surtout du choco fave. Oh my god. Allô? Est-ce que ce serait possible d'avoir la dernière commande que tu fais? Merci beaucoup. Ça, c'est excitant en plus parce que tu la vois le faire. Oui. Je suis sûre que ça va être une sorte qu'on n'a jamais essayé. Ouais, mais j'aimerais ça. Yes, c'est lui que je voulais! Merci beaucoup. T'es-tu hâte? Oui. C'est moi qui teste en premier? Ben oui, première impression. C'est une grosse bouchée. C'est bon? Je vais avoir du chocolat tout le tour de la bouche. Oh my god, Laura. Mais est-ce que tu vois une grosse différence entre celui-là et juste lui au lait maintenant? Oh non, ça goûte le fudge. Ok. Ça goûte vraiment le fudge. Oh, c'est bon. Ça goûte le fudge, hein? Wow! Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez eu autant de fun que nous. Mettons sur 10, t'as-tu encore faim? Oh non, là, je suis beau. Si vous voulez voir tous les restos qu'on a fait aujourd'hui, allez voir la vidéo sur ma chaîne, ça va être en barre d'infos. Oui, et nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bye.